on a bien attaqué. Je pense qu'on a réussi à créer un groupe homogène. Il n'y a pas de star qui tire la couverture dans notre équipe. Même parmi les joueurs américains, on doit avoir 7 joueurs qui ont 8 points ou plus. Donc tout le monde se partage vraiment le scoring. Donc on a un vrai esprit d'équipe et on défend bien ensemble. Et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'engranger les victoires. La venue a été bien perçue, je pense. Il n'y a pas eu de problème particulier. On a bien notifié que j'étais juste un apport à l'équipe. J'étais pas quelqu'un qui allait non plus justement tirer la couverture sur les mêmes. C'était un apport. Il y avait déjà une équipe, il y avait déjà des talents. Et puis j'essayais d'être un petit peu une valeur ajoutée, d'apporter à l'équipe, mais que même le jour où j'allais partir, l'équipe continuerait à bien vivre ensemble. C'est sûr qu'il y a une adaptation parce que le jeu est différent, les timings sont différents, la vitesse aussi. C'est vrai qu'une des grosses différences avec les jeux aux États-Unis ou l'équipe de France et le niveau international, c'est qu'il n'y a pas de gros mastodontes dedans. Il n'y a pas de Dwight Howard, il n'y a pas de Shaquille O'Neal. Mais justement, le jeu est plus rapide, ça joue beaucoup plus de contre-attaques, puis les intérieurs sont vifs aussi. Justement, j'étais content. Et puis c'est pour ça déjà qu'il est revenu à Bordeaux, parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, qui a fait beaucoup de choses déjà pour ma carrière personnelle et puis pour le basket français en général. Et donc, c'est quelqu'un qui vraiment amène une plus-value à un club qui fait progresser tout le monde, qui fait progresser les joueurs, qui fait progresser aussi le club autour. Et donc, le fait qu'il soit là aujourd'hui, c'est quelque chose de super. Et puis, la circonstance qui a fait que je rejoue pour lui quelques années après, pareil, je l'ai retrouvé comme je l'avais quitté. C'est toujours quelque chose qui est sympa aussi. Donc on arrive à se voir, à se croiser, on essaie de regarder les matchs des uns des autres. Donc c'est un petit peu cette camaraderie qu'on avait aussi en NBA, quand on jouait les uns contre les autres et on essayait de se voir toujours pour bouffer un morceau ensemble. Donc c'est quelque chose qui est appréciable. Plein des joueurs avec qui j'étais cadet, etc. Déjà, il y en a avec qui je joue, puisque je jouais avec Gauthier Darrigan, avec qui j'ai joué quand j'étais en minime. On va même revenir plus loin que l'INSEP ou Pau, avec qui j'étais en minime. J'ai croisé Cédric Ferchaud, avec qui j'avais joué en équipe de France des 20 ans et moins. Donc il y en a pas mal, il y en a plein. C'est les gens qui se disent ça, mais depuis le début, je le dis, on attend que ce soit fini. Tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Même si les choses se rapprochent, même s'il y a des choses qui sont négociées, tant qu'on n'en est pas arrivé à un accord parfait, c'est pas fini. Et donc, c'est là où on en est aujourd'hui.